Alors interlude pour la simple et bonne raison que ce morceau je l'ai écrit on va dire une période de ma carrière artistique où je ne faisais pratiquement plus rien. J'avais arrêté mes premières formations, j'étais entre deux. Je savais plus trop si je devais continuer ou arrêter, arrêter définitivement. Le soir, j'ai pris un cahier et puis je me suis mis à écrire. Et puis à la fin de ce morceau, je me suis dit j'ai eu mon interlude, j'ai eu ma coupure, c'était ce morceau-là. Et que voilà, j'étais prêt à partir sur autre chose et c'est de là qu'est née l'aventure Black Dahlia de temps. Contrairement aux autres morceaux, en fait, interlude, je l'avais écrit. Mais sans base musicale, sans rythme, sans rien du tout. Le jour où j'ai voulu enregistrer, donc j'ai essayé pas mal de bases musicales et je me suis aperçu qu'en fin de compte, rien ne collait. Je suis parti dans une façon de travailler, différente. J'ai fait une voix, même pas chantée, même pas... Sans vraiment de conviction dans la voix ou quoi que ce soit, j'ai posé le texte. C'est là où j'ai commencé à mettre les guitares, j'ai commencé à l'habiller, puis après ça donne ce que ça donne. Certains disent que le classeront comme un morceau slam, certains voilà. Alors qu'au départ pas du tout. Quoi. Pour mon album, je me suis dit je veux une interview. Donc j'avais ce morceau-là qui traînait dans les parages et je me suis dit ça sera l'interlude de mon morceau. Sauf qu'une interlude en général ça dure on va dire 30 secondes, 40 secondes, moi la mienne elle fait 3 minutes et quelques. Je reprends la plume, la feuille blanche, première angoisse, 5 ans d'absence, âme fond dans la masse, toujours le même constat, toujours le même combat, toujours la même vie, toujours la même envie. Écrire pour les miens, pour de meilleurs lendemains, mais dans la main on bâtira demain, cousin. Mais je rêve, les yeux ouverts, couverts de merde, Black Dahlia, réveille-toi et remets les pieds sur terre.